le petit pont chantait la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans sa blanche baleinière, Jean Gouin, notre brigadier, son bonnet caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans. Le bidet, le capitaine d'armes et son cahier de puni. Dans la cahier de sur le GR34. Ce matin, on est parti de Labère, qui se situe donc juste après Telbruck-sur-Mer. On avait marché hier sur le sentier côtier pour arriver sur cette Labère là, qui est proche de Trélanec. Et ce matin, on a marché donc de Labère, on a fait tout ça, tac tac tac, on est arrivé jusqu'à Morga, où on a déjeuné. On a mangé une crêpe à Morga et on a continué le GR34. Donc, direction le Cap de la Chèvre, donc cap au sud, mais on n'est pas allé tout à fait jusqu'au Cap de la Chèvre parce qu'en fait on a coupé le bras au niveau de Ménesguem, donc au niveau de la pointe du dolmen, hop, on est parti sur notre droite, tac, et on est arrivé de l'autre côté de la presqu'île, à la plage de l'Apalu, qui est un gros spot de surf. Donc on a fait une pause, on avait déjà bien marché, et ensuite on est reparti direction la pointe de Dinan. Et là ce soir on est ici à Kerguillet, dans ce bois là, c'est un peu la seule zone boisée puisque toute la pointe est pelée, et de la plage de l'Apalu à ici, c'est vrai que c'était très très peu praticable. Et du coup demain, on repart d'ici, on finit la pointe de Dinan et on part direction Camaret. On va remonter, donc là c'est un autre topo, on va sur la partie nord, et là on va arriver par ici, direction l'étang du Kerloc, on traverse, et ensuite pointe de Porzen, pointe de Pénir, tac tac tac, on fait tout le tour pour arriver jusqu'à Camaret, et puis le soir on dormira entre Camaret et Lambézène, on ne sait pas encore, mais dans cette zone, pour pouvoir prendre le bus le lendemain, le lundi, direction Telbruck, récupérer la voiture. Je sais plus, tu mets des filtres dans ta... Mais quoi ? Dans ton harmonica, il y a des filtres. Des cigarettes. Mais c'est pour ça que ça sonne. Mais je savais pas, et dans sa blanche baleinière, Jean Gouin, notre brigadier, son bonnet caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans. Le bidet, le capitaine d'armes et son cahier de puni, dans la Cayenne faisait du charme à je ne sais quelle souris.